Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Fox. Salut Fox. Salut à tous. Pour un nouveau désamorçage de bombes, on va attaquer la section des modérés. On va faire a hidden message, un message caché. Donc on a 5 minutes, 3 modules, 3 strikes. Et le top record est détenu par toi Fox. T'inquiète. GG. Donc start. C'est parti. J'espère que t'es chaud bouillant. Chaud et bouillant. C'est parti. Ok, j'ai un bouton blanc abort. On va commencer par le bouton. Alors. Ok. On pile sur la bombe. Pile sur la est-ce bombe. Est-ce qu'il y a un indicateur avec une mention car sur la bombe? Sur la bombe avec une indication car. Non, elle est FRK la mienne et il y a 3 piles dessus. Elle est allumée l'indicateur FRK? FRK? Non. Il est pas allumé? Non. Ok. Tu restes appuyé dessus s'il te plaît. Bande jaune. Quand il y a un 5, tu peux relâcher. D'accord. C'est bon, c'est valide. Ensuite, j'ai le module des mots. J'ai un mot lead. Alors lead, L-E-A-D, c'est ça? Oui. En bas à droite. En bas à droite. Ok. Faux. Ah, il fallait que je te dise le mot que c'était. Je suis désolé. Donc du coup, c'est there. Excuse-moi. T-H-E-Y apostrophe R-E. Je suis bête. Excuse-moi. Tu peux lire en bas à gauche. En bas à gauche, c'est middle. Blank. Oui. Ready. J'ai. C'est bon, blank, c'est bon. Ensuite, c'est si, S-E-E. En bas à droite, il faut lire. Wait. 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 U-H-H-H. Non. No. Non. Blank. Non. Ok. Yes. Ok, left. C'est bon, j'ai. Ensuite, j'ai C-E-E. En bas à droite, il faut lire. U-H-H-H. Ready. Oui, c'est bon, c'est validé. Le dernier module, c'est un module de combinaison. C'est une combinaison. Tu sais, j'ai 5 lettres avec des flèches, je peux faire haut, bas, dessus. Mot de passe, ok. Alors, dis-moi les lettres du premier et du deuxième. Toutes les lettres. Toutes les lettres? Toutes les lettres du premier. Ok, alors j'ai un C, U, Q, M, T, Z, C, U, Q. Bon, après on revient en boucle. Hein. Ok, le deuxième, s'il te plaît. U, H, J, M, X, A. Et on revient sur U. Ok. Il y a un H en TH déjà. TH. TH et essaye de faire un E ou un I. J'ai un I. Ou un R. J'ai un E aussi. Alors, je peux faire zéro. THING ou THINK. 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 Ok, c'est bon, je soumets. C'est bon. Belle idée, monsieur, bravo. Et c'est fini, et avec 3 modules. Voilà. Il restait plus beaucoup de temps en même temps. Ah, je crois que je vais me classer dernier avec cette connerie, hein. C'est ça, je me suis classé dernier, c'est moche. C'est pas grave, ça arrive. Petite faute de goût. Something different. C'est différent. Le top est détenu par The Sand Gamer, avec 1 minute 58, suivi de toi, Force.
Donc on a 5 minutes, 3 modules et 3 échecs. Jusqu'à 3 échecs. Troisième, c'est la mort. Ok, c'est parti. Alors, ça, faudrait que ça s'éclaire. Ah putain, ça va être chiant. Module de fil avec 5 fils dessus. Est-ce que le dernier fil est noir? Non, il est bleu. Est-ce qu'il y a un fil rouge exactement? Non, plus. J'ai deux jaunes, deux rouges et un bleu. Ok, il n'y a pas de fil noir. S'il n'y a pas de fil noir, coupez le second fil. Second fil. C'est bon, c'est valide. Ensuite, j'ai un module, tu sais, de fils entrelacés. J'ai des fils, tu sais, avec les chiffres 1, 2, 3 à gauche et j'ai ABC à droite. D'accord, les fils, ok. Je me rappelle plus trop comment on fait, mais vas-y, dis-moi 1. Ok, le 1, c'est un fil noir et il est raccordé à C. Le fil 2 est un fil bleu raccordé à A. Et le fil 3 est raccordé à C et c'est un fil bleu. Ok. Le deuxième, le bleu, qui est raccordé à A, tu peux le couper. Ok. C'est bon ? Ah, c'est une faute. Ok, maintenant je vois comment ça marche. Ok, on recommence ? Bah vas-y, hein, je t'écoute toujours. Hein. Le 3, il est raccordé à quoi? À C. Coupe-le. C'est valide. Hein? Pourquoi? Quoi? C'est pas bon, je peux pas changer de module? Ça a coupé, mais ça a rien fait. Faut appuyer sur la petite flèche en bas. Bah, petite flèche en bas, j'ai appuyé, ça m'a compté une faute. Donc si je réappuie, ça explose. On recommence, je relis en sur... Je cut le noir. Et c'est bon, en fait, fallait couper les trois fils ou le noir. Voilà. Écoute, faisons exploser tout ça. Vas-y. Non, c'est bon, j'ai réussi. Ça, c'est bon. Et je vais couper celui-là vraiment parce qu'il pue du cul. Voilà, c'est bon. C'est bon. J'ai réglé les fils. Ensuite, j'ai un système à chiffres, tu sais, j'ai un chiffre 3 et ensuite j'ai 4 chiffres en dessous. Comment ça s'appelle? C'est vraiment un memory. Le 3, le 3ème position. 3ème position, c'est un 4. Ensuite, c'est un 2. En 3ème position. C'est un 1. Ensuite, c'est un 4. Le nombre 4. Il est en position 1. Ensuite, c'est un 3. Troisième position. C'était un 3. Le dernier chiffre est un 4. Et 4, 3, donc le nombre 4. Nombre 4, validé. Bombe désamorcée. Je vais quand même envoyer les fils à la suite là. T'as eu un doute là, hein. T'as eu un gros doute. Yo là. Voilà. C'est désamorcé. Ah ok. C'est pas très joli. Ouais, je me classe quand même pas trop mal. Je crois que c'était le... Enfin, voilà. Bon, il y a une question de deuxième fil, mais en fait, c'est le premier fil qu'on rencontre. Hein. C'est le deuxième fil qu'on rencontre, c'est pas le deuxième fil en tout. Ok. Okay. T'es chaud pour One Giant Leap? Je suis chaud pour One Giant Leap, ouais. Je sais pas ce que c'est, mais ouais. Ok, bon, c'est une bombe à 4 modules, dont le record est détenu par The Sand Gamer. On est parti. Poète. J'aime cette petite ambiance beaucoup trop cool. Ok. Ok, j'ai un module de type radio, tu sais, trouver la bonne son FM. J'ai encore le module avec, tu sais, les trois fils comme on a fait tout à l'heure où il faut en faire plusieurs. J'ai un module avec des mots. Et j'ai un module avec des symboles. On va commencer les fils à la suite, là, les fils entrelacés. D'accord. On va voir si j'ai capté.
Ok, donc bah, sur ce premier module, je n'ai qu'un seul fil. Il est raccordé, il est de 2 à B. Et il est rouge. Je sais pas si ça t'aide. Non, ne coupe pas. Je coupe pas. Suivant. 3 fils. 4 C. 5 C. 6 B. Non, mais c'est. Non, mais. Dis-moi déjà la couleur du fil. Ok, le 4 AC il est rouge, 5 AC il est rouge, 6 AB il est bleu. Coupe le fil bleu. Je coupe le bleu. C'est coupé. Ensuite, j'ai deux fils bleus. Le premier, donc le 7, est raccordé à A et le 8 est raccordé à B. Coupe le premier fil bleu. Le 7. Ah, c'est pas le bon. C'est pas bon. Donc je coupe le deuxième et je passe à la suite. Ok. Ensuite, j'ai trois fils, un bleu et deux noirs. Le 10 est raccordé à C. Le 11 est raccordé à A. Et le 12 est raccordé à C. Non, mais dis-moi la couleur du 10, j'oublie. Le 10 est bleu. Le 11 est noir. Le 12 est noir. Le 10 bleu C. Oui. C'est ça. Ensuite le 11. Noir A. Et le 12 et noir C. Coupe le deuxième. Et coupe le troisième aussi. Ok. Le module est validé. Tu veux faire module de symbole peut-être? Non, le morse. Allez. Le morse, c'est le, ok, c'est la bande FM. Alors, un court, deux courts, trois courts, un court, un long. Oh putain. Attends, faut que ma mémoire fonctionne. Oh putain. Faut attendre 7 secondes pour commencer le mot. Ouais, je suis nul. Une grosse pause pour recommencer. C'est bon. Court, trois courts. Yes. Un court. Un long, deux courts. Après, je crois que ça faisait un court. Putain, c'est chiant. C'est chiant parce que le temps de le dire. Bon, je vais te le dire en. Je vais te le dire en morse. Hein. Point, point, point. Point, trait. Point, point. Point, point. Point. Trait, excuse-moi. Point, point. Point. Trait. Putain, je. Waouh, je suis perdu. Débrouille-toi avec ça. 3522. Ouais. C'est validé. Ensuite, tu veux quoi? Les lettres, les mots là? J'ai pas de mots affichés, j'ai juste un mot avec les 6 lettres ou alors le module de symbole, monsieur. Vas-y, le mot de passe, vas-y. Mot de passe? Ok, y a rien d'écrit sur l'écran. Non, c'est pas un mot de passe. C'est tu sais, c'est un truc où j'ai de quoi en bas à gauche, il faut regarder en bas à gauche. Ok, c'est first. First. Left. Ok. Oui, c'est bon. Left. Read. R E A D. Lis en anglais. Au milieu à droite. Au milieu à droite, c'est ok. Middle, no, first, yes, UH. C'est bon, j'ai. C'est bon, j'ai. Mais j'ai explosé quand même. On a été trop long. Voilà. Et je crois que le fait d'avoir coupé un fil a accéléré le temps, je crois, à un moment donné, mais je suis pas sûr. Ouais, je crois que tu passes du temps. Enfin, les secondes passent plus vite, en fait. C'est pas une seconde. Yes, c'est ça. Donc on retry, c'est parti. Et on finira dans ces cas-là par les fils, puisqu'on sait que ça accélère le temps. Il y aura pas cette merde. Ok, bah je vais encore avoir un module à 3 fils. Là, je vais avoir un module qui va t'arracher les yeux. On va commencer par Memorize. Enfin, tu sais, j'ai un 2 affiché. J'ai un 2 affiché, j'ai 4 chiffres en dessous. Deuxième position. Deuxième position, c'est à 1. Un 3. Première position. C'est à 1. Un 1. Nombre 1. C'est en troisième position. 1. En deuxième position.
2. 4. Nombre 1. Ok, c'est valide. J'ai un module à symbole. De symboles. Alors, j'ai un espèce de 3 avec une queue et des antennes. J'ai une étoile noire. J'ai un trident. Je sais plus c'est quoi cette lettre. Et tu sais, j'ai le P de paragraphe. Tu sais, c'est un P inversé. Mmh. Voilà. Tu peux me répéter ? Un 3 avec une queue et des antennes. Une étoile noire. Un trident, là. Et le P de paragraphe. Alors le trident, le paragraphe, le 3 et l'étoile. Trident, paragraphe, 3 et 3. C'est valide. J'ai un module de film et tu sais, un complexe. Est-ce que tu veux faire ça ou tu veux faire le module de, qu'on avait tapé tu sais, où bon, tu enchaînes plusieurs. C'est des fils verticaux, hein, c'est ça avec ouais, verticaux, ouais. C'est bon ça, le diagramme de Venn, je sais pas quoi, vas-y, c'est parti. Alors, je t'annonce la couleur. Alors, le premier fil. Le premier fil est blanc avec une LED allumée et une étoile en bas. B. Alors B coupe le fil si la bombe a deux piles ou plus. Est-ce que la bombe a deux piles ou plus? La bombe n'a pas deux piles, elle a qu'une pile. Hein. On n'a pas coupé le fil au premier fil. Deuxième fil. Deuxième fil, c'est un torsadé bleu et blanc. Il est bleu. Ok. Et quels sont les étoiles et tout ça? Non, y'a rien, sinon je te le dis. Coupe le fil si la bombe a deux piles ou plus, non? Non. Non, attends, S. Coupe le fil si le dernier chiffre du numéro de série est pair. Dernier numéro de série de cette bombe de merde n'est pas pair, est impair, monsieur. Ok. Troisième fil. Troisième fil, c'est un fil rouge. La même, donc on s'en fout. Quatrième fil. LED, la LED est allumée et c'est un torsadé rouge et blanc. Donc c'est rouge. Et. C'est rouge. Et la LED est allumée. B. Non. Ou pas. Ok, ensuite j'ai un blanc avec une étoile. Je coupe celui-là. C'est parti. Il est coupé. Le dernier module, monsieur, donc c'est un module, tu sais, de, avec les fils qui se croisent dans tous les sens, là. Donc le 1, c'est un bleu B. 2, noir A. Il n'y a que deux fils. Le B, tu coupes. Je coupe. Ok. Alors, c'est pas valide. On dit de la merde. Ok, donc là il y a 3 fils, 4 noirs, 5 rouges et 6 noirs. Je ne vais pas comprendre ce module parce qu'il me dit premier fil bleu, et s'il est raccordé à B, tu coupes. Donc là on va faire un petit peu au hasard. Donc on est à 4 B, 5 B, 6 C. Il y a un noir, un rouge et un noir. Faut que tu te dessines, monsieur. Je coupe. Rouge. Faut pas qu'on. Et tu me dises ces informations. Non, mais je m'en fous, je coupe. Je fais quoi? Tu coupes le premier, tu coupes le deuxième. Et... Ok, je vais exploser la bombe. Ok, super. Super. Le mec trop fiable. Non, mais faut pas que ça marche. Enfin, si tu lis le truc, tu verras que faut pas que ça. Faut pas quoi? En fait, faut pas me donner les informations comme ça. Il faut que je te les donne comment tes infos? Alors, les infos, il faut que tu me donnes ordre par ordre, donc 1, 2, 3. Il faut pas que tu me dises 1, 2, 3 ou A, B, C, on s'en fout, en fait. Finalement, ouais. Il faut que tu me dises bleu, B. Là, je te dis si tu coupes ou pas. Ensuite, noir, A. Je te dis si tu coupes ou pas, etc. Faut pas que tu me dises 1, 2, 3, 1, A, 2, 1, A, C, on s'en fout, en fait. Toi, les numéros à gauche, c'est juste dans l'ordre dans lequel tu vas me donner les informations. D'accord, ça marche, donc tu t'en fous, ok, ça roule. Donc moi, je te donne juste la couleur du fil et sa destination, quoi, s'il va sur A, B ou C. Voilà, la couleur du fil et sa destination dans l'ordre où il y a écrit 1, 2, 3, mais faut pas me dire. D'accord.
En fait, c'est écrit dans le module, dans la zone sud du module, comme quoi si le premier fil est bleu et qu'il est raccordé à B, je le coupe. D'accord, ok, ça marche. Si je rencontre un deuxième fil bleu et qu'il est raccordé à C ou à A, je le coupe. Ça marche. Bah go, on réessaye. En fait, c'est par ordre de rencontre de fil. Ok, bah, je te les donnerai. Ok. C'est parti. On recommence. On y croit à mort. Putain, je vais avoir un morse, je vais avoir un labyrinthe et j'ai des symboles. On va commencer tout de suite par les symboles, ça va vite être plié et on n'en parlera plus. Alors, j'ai un T dans un B, j'ai une étoile noire, le P de paragraphe et j'ai un C avec un point au milieu, un petit carré. Alors, TB, T dans le B, le C, le paragraphe et l'étoile noire. Ok, c'est validé. Ensuite, j'ai le morse. Donc, je vais te le donner dès qu'il aura fini sa suite. Point, 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 barre, point, point, barre, point, barre, point, barre, barre, point, excuse-moi. ST. Il me faut la troisième lettre. Moi j'ai point, 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 ensuite barre, ensuite. Ok, attends, bah, on va le laisser faire un tour et je te reprends ça. Ah putain, tu me casses les couilles. Point, point, point. Barre, point, point, barre, point, point, barre. C'est deux points, c'est un barre, nid, putain. 3592. C'est valide. Le labyrinthe. Alors, j'ai mes deux butées, les deux blocs où je peux pas passer, c'est les deux cercles, excuse-moi. C'est première colonne, le premier point et quatrième point. Les deux sont dans la première colonne. Moi, je suis en troisième ligne, dernière colonne. Et mon point est en troisième colonne et quatrième ligne. Ok, il faut descendre une fois en bas et après tu vas tout à gauche. Ok. C'est valide. Le dernier qui nous reste, monsieur, c'est un module de fil. Donc, bleu, B. Bleu. Tu coupes. Il y en a deux sur B. Hein. Il y a deux bleus B. C'est pas grave. Okay. J'en coupe qu'un ? Le premier. Ok, le premier. Voilà, c'est pas valide. C'est pas bon. Bleu B, bleu B, rouge C. Pour moi, bleu B, tu coupes. Deuxième bleu B, tu coupes pas. Rouge C, tu coupes pas. Bah ouais, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Y'a une couille dans le potage. Moi, je pourrais pas t'aider pour la suite hein, si ça c'est pas bon. Ok, bah la suite c'est noir A. Rouge C. Tu coupes pas. Noir A. Bon bah salut, ça explose. Je crois que t'as pas saisi le module. Ouais, c'est ça. Y a un truc. Y a une couille dans la potétose. Non, mais rien que le premier fil bleu B. C'est écrit premier fil bleu coupé si connecté à B. Oui, bah c'est pas grave, on coupe. Mais après, faut vérifier si les autres on les coupe ou pas. Ouais, je sais, mais le premier fil que tu as coupé, c'était ok ou pas ? Oui, c'était bon, mais non, c'était pas bon. C'était pas bon, je crois pas. Ah écoute, on va checker ce module et puis on revient après la pub. C'est ça, avec un peu plus de sérénité. Ok, des bisous tout le monde. Ciao.